IT Grab pour la toute dernière vidéo de 2015. Donc, nous sommes à Noël et aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégralité de ma collection. Donc, nous allons découvrir ensemble ma pièce, dite mon sanctuaire, mon bureau, là où je travaille, mais aussi là où je collectionne les figurines. Donc, nous allons ouvrir cette fameuse porte derrière laquelle se cache mon univers. Voilà. Alors, nous allons entrer ensemble aujourd'hui dans ce sanctuaire que je vous présente depuis déjà pas mal d'années. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui a changé depuis la dernière vidéo de présentation. Déjà, pour les connaisseurs et les habitués à ma chaîne et à mes précédentes vidéos, la première grosse nouveauté n'est autre que la disparition de toutes les étagères des maîtres de l'univers, dites les motuques. Vous vous souvenez, c'est Master of the Universe en version classique. Donc toutes ces figurines que je collectionnais, j'ai un achat compulsif, j'ai commencé une nouvelle collection et j'ai fini par tout revendre au profit de nouvelles vitrines pour avoir vraiment une symétrie parfaite dans la pièce. Donc avoir trois vitrines dans le fond, quatre sur le côté et quatre sur l'autre côté pour vraiment garder cette symétrie de temple que je voulais absolument. Alors, je vais fermer la porte derrière moi. Et nous allons faire un rapide tour de cette fameuse pièce. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de changé par rapport à la dernière vidéo. Et ensuite, nous allons faire vitrine par vitrine et visiter ensemble chaque étage en essayant d'argumenter un petit peu le choix des poses, etc. Et voir un peu les différences qu'il y a depuis la dernière vidéo. Ainsi que les nouveautés par la même occasion. Donc on va se diriger dans le fond de cette pièce. Et là, première chose, mes fameuses toiles des chevaliers de bronze en version V3. Voilà, ces fameuses toiles qui ont été réalisées sur mesure, qui ressortent vraiment super bien sur ce mur de couleur mauve, qui rappelle donc la chevelure d'Athéna. Hein. Donc le choix de la couleur des murs n'est pas du hasard. En fait, je voulais absolument un blanc un peu mauve qui rappelle la couleur de la robe d'Athéna, si on regarde bien, ainsi que la couleur des cheveux d'Athéna pour le mauve, en fait. Je voulais vraiment quelque chose qui rappelle tout simplement les couleurs d'Athéna. Le noir au niveau du plafond n'est autre qu'un noir brillant laqué, donc qui fait ressortir, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est un miroir, regardez, on voit au-dessus, c'est une couleur miroir, en fait, c'est un plafond tendu, donc c'est une espèce de toile qui est placée par des professionnels, donc on ne sait pas mettre ça soi-même. Ça donne vraiment un aspect unique à la pièce, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est pour l'intégralité de la pièce au niveau du visuel. Là, on a un nouveau petit meuble noir et blanc qui fait son apparition, qui me permet de ranger tout ce qui est papier, maison, etc. Étant donné que c'est mon espace aussi de loisirs, mais de travail, avec une petite plante pour agrémenter le tout et donner un petit côté chaleureux à l'ensemble. Donc voilà, là on a mon espace de travail, de loisirs également, parce qu'il me permet éventuellement de jouer à un jeu vidéo, éventuellement sur PC, ou de travailler, ou d'aller sur Facebook, ou de réaliser mes vidéos. Donc c'est vraiment un petit espace bien tranquille, bien à moi. Donc on retrouve le blanc donc, du meuble sur la chaise, sur le radiateur, la pluie de fenêtre, sur les murs. On retrouve vraiment, j'aime beaucoup cette symétrie de couleurs et ce mélange de couleurs qui reste tout à fait cohérent. Et est très agréable à l'œil. J'aime beaucoup la déco bien faite. Voilà. Donc là, on a toujours mes fameuses toiles des 12 chevaliers d'or, qui jadis étaient dans le salon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous pouvez remonter dans les vidéos précédentes. Ils étaient dans le salon. Et là, je trouve qu'ils rentrent vraiment super bien sur ce mur de couleur mauve. Alors, on a aussi cette fameuse dédicace réalisée par Jérôme Alquier lors de la fac 2014. Je pense que c'était à Gand, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. C'est un dessin qu'il m'avait réalisé sur mesure, donc version OCE. Donc je suis le seul au monde à posséder cette version spécialement réalisée pour moi. Mais je suis également le seul à posséder cette version. Voilà, ce dessin que je trouve tout simplement magnifique, réalisé également par Jérôme Alquier, donc de type OCE, donc Original Color Edition. Donc il s'agit en réalité de ce dessin. Donc voilà, plus connu, donc ce dessin est plus connu étant donné que Jérôme Alquier le distribue
à la vente, hein, donc ce dessin est tout à fait disponible et peut-être commercialisé, donc il n'y a aucun souci pour se le procurer. Mais je voulais avoir le privilège et avoir la chance d'être le seul propriétaire de cette version OCE. Donc à ma demande, après discussion avec Jérôme Alquier, donc, il m'a réalisé ce dessin qui est unique. Donc je suis le seul à posséder ce dessin, cet exemplaire unique au monde, et ça me rend très très fier d'avoir cette version OCE-là et aussi cette version OCE-là. Étant un grand fan d'Iki, bon, vous le savez maintenant, ça me permet vraiment d'avoir deux pièces qui sont totalement uniques au monde. Voilà, donc ça c'est pour le contour, l'intégralité de la pièce, donc pour le petit visuel de la pièce où je réside régulièrement. Voilà, là on a toujours cette fameuse toile que je vous invite à lire à votre aise, donc qui avait été aussi réalisée sur mesure, qui représente un petit peu ce que je suis. Bon, les maîtres de l'univers, on pourrait le barrer éventuellement, étant donné que tout a disparu au profil de nouvelles vitrines Senseiya. Mais bon, je suis toujours fan des maîtres de l'univers. Et rien ne dit que plus tard, je ne vais pas racheter un ou deux exemplaires, étant donné qu'une nouvelle série de personnages des maîtres de l'univers, dite version 2.0, va voir le jour. Bon, rien ne m'empêche d'en acheter quelques-uns qui prendront peut-être place ici sur le meuble. On verra, on n'est pas encore là. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo, donc qui n'est autre que la visite global de la pièce. Donc on va faire un rapide petit tour des vitrines comme ceci pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce que je vois chaque jour dans mes vitrines. Et ensuite nous allons passer vitrine par vitrine. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle contient. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation de cette première vitrine. A tout de suite. Nous voici donc dans la première vitrine, pour laquelle j'ai bien entendu pris soin d'ouvrir les portes. Et le premier étage n'est autre qu'un étage qui représente l'étage des Legend of Sanctuary. Donc ce fameux film Senseiya qui a fait énormément parler de lui, qui n'a pas plu à tout le monde. Moi ça ne m'a pas déplu plus que ça. L'histoire est un petit peu drôle. Mais je trouve que les personnages sont tout simplement magnifiques. Donc voilà. Ça, ce sont les poses que j'ai voulu donner à ces personnages. On est sur un étage très 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 adulte. Hein. Les personnages sont beaucoup plus adultes, beaucoup plus grands d'ailleurs que les versions classiques des Miklos, voire les UX. Et on est sur un décor réalisé par Monsieur Tadashi Dio, qui n'est autre qu'un super décorateur et ami, qui réalise des décors magnifiques. Donc ça, c'est le premier étage que je trouve tout simplement sublime. Je pense que la qualité de l'appareil photo peut vraiment faire retranscrire les couleurs beaucoup mieux, beaucoup plus précisément qu'avec l'ancien appareil photo. Donc j'espère que vous en profitez bien. Voilà, ça c'était le premier étage. En espérant que d'autres figurines vont sortir, nous avait annoncé 10 masques en version Legend of Sanctuary. On nous avait aussi annoncé Tenma. Seiya en version Legend of Sanctuary, on verra ce que ça donnera. Alors, on passe au deuxième étage, qui est vide pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien du tout sur cet étage, mis à part un Pégase en version POG OCE. Et oui, version POG OCE. Donc, on attendra les autres personnages de cette série, si possible. Ça permettrait de faire un bel étage Poséidon. Là, on a des boîtes vides, et là, on a un étage vide à combler dans le futur. Donc, on va fermer la porte pour éviter tout accident, et on va s'attaquer maintenant à la deuxième vitrine. Donc, vous voyez, j'ai quand même de l'espace disponible pour les prochaines sorties éventuelles, dont nous allons parler ensuite. Nous allons parler après. Alors, l'étage des surplis en version EX. Alors, cet étage, toujours un décor réalisé par Tadashi Dio, décor du sanctuaire en version surplis. Alors, on a un Gemini Saga en version surplis qui tient la dague, tout simplement. Donc là, on peut remarquer que les poses sont tout à fait choisies en conséquence. Voilà, ils veulent mettre fin à la vie d'Athéna. Et donc là, on a un Shura qui tient Excalibur
à l'arrière de sa main, à l'arrière de son dos, pour cacher un petit peu le fait qu'il veuille aller vers Athéna. Là, on a un dismasque fidèle à lui-même. On peut remarquer que son pied est légèrement surélevé. Très très bel étage. J'ai hâte d'avoir les autres personnages, notamment le poisson et Chillon, ainsi que le Verseau, bien entendu. Très très bel étage. Très très beau décor également. On peut remarquer aussi qu'au niveau du décor, la petite particularité, c'est que les piliers, vous voyez, ne sont pas tous mis dans le fond, en fait. Ils se suivent en diagonale, regardez. Ils partent quasiment du centre du décor vers l'arrière. C'est ce qui donne un peu la particularité de ce décor. J'aime beaucoup. Maintenant, on passe sur un autre étage. L'étage DV1 Gold. Avec une Athéna en version Kink. En Metal Club, pardon. En version Metal Club, donc en gros pirate. Et oui, Mighty Graph est dans le pirate. Mais uniquement pour certains personnages. Et là, on a une Metal Club de toute beauté. On a vraiment un personnage de toute beauté. Avec un Gemini Saga en version... en version Legend of Sanctuary, LOS. Donc j'ai voulu absolument mettre avec les autres personnages. Comme c'est un étage en édition limitée, j'ai voulu absolument le mettre avec ces personnages. Voilà. Ikki surplombe un pilier. Voilà. Toujours un décor réalisé par Tadashi Dio. Magnifique décor. De gros travail de structure. Une couleur magnifique, de gros brush. Vraiment un très très beau décor. On passe sur l'étage en dessous avec des boîtes vintage, boîtes scellées. Voilà. Ce sont de véritables boîtes des vintage en version française mais scellées. Voilà, j'ai voulu absolument avoir les 5 versions, mais scellées. Et on passe sur la troisième vitrine. Donc évidemment, on a 2 étages ici qui seront disponibles pour les prochaines sorties. Les boîtes scellées partiront des vitrines. Donc là, on a encore 1, 2, 3, 4, 5 étages disponibles. On va passer maintenant sur la troisième vitrine. Avec la vitrine, un de mes étages favoris, les fameux V4, donc les Godclot, en version recolo. Alors regardez-moi ça, la qualité de couleur de ces armures. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Magnifique. C'est vraiment un étage sublimissime. Un décor réalisé par Akua. Donc c'est un décor de type Elysion bleuté. On peut voir le bleu omniprésent sur le décor. Hein. Super beau. Très 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 beau décor. Avec toujours le logo d'Akua. Regardez là-bas au centre. On passe l'étage inférieur avec un de mes étages favoris, mais vraiment favoris. Là, on est sur un décor de Monsieur Kyo, qui n'est autre que le Temple du Lion. On remarque les météores de Pégase là-bas dans le mur. Les fractures, c'est vraiment quelque chose de super beau. Alors, ce décor comprend toutes les versions OCE EX en version Gold sorties à ce jour, en version authentique. Il n'y a pas de version pirate pour l'instant pour cet étage. Mis à part Athéna, qui est en version Metal Club. Donc cette version Metal Club, qui est tout simplement magnifique. Donc j'ai pris la version Metal Club normale, mais aussi la version Metal Club OCE. Et regardez-moi ça, ce regard, si c'est pas magnifique. Regardez-moi ça, ces personnages, au niveau des poses. On peut dire que je m'en donne à cœur joie pour ces personnages. Hein. J'ai toujours été un fan des versions OCE et je ne changerai pas la donne. Alors là,
on a quelque chose d'unique aussi. Merci à mon ami Chris Sélicard de m'avoir réalisé sur mesure cette version OCE d'Iki. Donc c'est la même version, souvenez-vous, que sur le dessin là-bas réalisé par Jérôme Alquier. Voilà. Donc là, on l'a vraiment en personnage Midclose. Donc c'est, on peut dire un custom. C'est mon seul custom, si je puis dire. Regardez ça, la qualité de cet étage. Là, on a un Radamantes en version UX dans sa pose finale qui attend à être placé sur décor. Décor qui sera réalisé par mon ami Vorace. Alors là, oui, on peut remarquer qu'il y a de la pâte à fixe pour le faire tenir provisoirement. Là, on a Monsieur Pégase en version V2 qui attend sagement un décor. Et en espérant les autres personnages qui sortiront également pour compléter cet étage. On passe à la quatrième vitrine. Alors, la fameuse vitrine des Gold. Décor réalisé par Monsieur Itokiri, donc l'Italien, un décorateur italien très 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 connu. Voilà, on a les 6 premiers chevaliers d'or. On a Mu du Bélier qui protège Kiki, comme à son habitude. Le Poisson, le Capricorne, la Vierge, le Cancer et le Scorpion pour lequel le visage a été changé. Je vous invite à aller visiter la vidéo dans laquelle j'explique comment donner à ce personnage plus de charisme en lui changeant le visage et en adaptant un visage du Verseau. Alors, ne sachant pas mettre tous les personnages sur ce décor, il me fallait absolument un deuxième décor, donc c'est là que Monsieur Itokiri a fait travailler son imagination et m'a sorti un deuxième décor qui complète excessivement bien ce premier décor. Regardez, on a vraiment un ensemble très harmonieux et très fidèle au personnage. Là, on a, bien entendu, un Canon en version authentique, le très rarissime Canon, le Gémeaux également, le Lion, le Taureau, le Sagittaire, la Balance et le Verseau. Voilà un étage des plus magnifiques. J'aime beaucoup l'ensemble de ces deux étages. Là, on a, nul doute, mon étage favori parmi tous mes étages. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire, mais cet étage me fait vibrer. C'est l'étage des V2 Broken. Avec Iki tenant dans ses mains un pétale de sa queue de phénix. Brisé également. Article disponible chez NGS, New Generation Shop, dont vous savez que je suis en partenariat et depuis quelques années maintenant. C'est un décor réalisé par Acua, donc qui était à la base un décor de Monsieur Master, donc qui est un Suisse qui réalisait de très 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 beaux décors, et ce décor avait mal vieilli, donc Monsieur Acua, mon ami Acua, a donc modifié ce décor et a réalisé un décor sur le thème d'Asgard de toute beauté. On passe maintenant à l'étage des Senseiya Omega. 3 personnages uniquement sortis à ce jour pour cet étage. C'est bien dommage parce que les personnages sont très 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 beaux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la série, ce sont vraiment de belles pièces. Décor réalisé également par Acua. Ce décor, jadis, était utilisé pour mes Gold EX. Mais étant donné que j'ai fait réaliser donc 2 décors par Monsieur Itokiri, j'ai récupéré ce décor pour les versions Omega. Et je trouve que ce décor se prête très très bien à la scène, étant donné que ce décor est assez court. Je n'avais pas beaucoup d'espace au niveau de la vitrine, au niveau de cet étage. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir profiter à fond de l'étage. Là, on a un étage. Donc on a Omega ici et on a Los Canvas ici. Et là, on a l'étage Los Canvas. Avec 2 décors totalement indépendants chacun. Donc là, on voit bien que c'est un décor à gauche, un décor à droite. Tous les deux réalisés par Acua. Donc là, on a un étage
un décor typé sanctuaire, mais version bien, la version du bien, tandis que là, on a un décor typé version mal, en fait. Plus ténèbres, plus le bon de ce côté-là. Et là, on a Chillon et Doko qui reviennent de guerre, tout simplement. Donc, on a vraiment cette transition, le bien, le mal, et cette transition entre les deux personnages qui reviennent de la fameuse guerre sainte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très imagé, en fait, ce décor, cet étage. On a vraiment quelque chose qui est très, très, très imagé et qui représente surtout un état d'esprit plutôt qu'une scène en particulier. Donc, on a plusieurs scènes dans... On a un mélange de scènes, en fait. C'était vraiment pour représenter un maximum l'étage de Los Canvas. J'espère qu'ils ressortiront plus tard des figurines pour cet étage. On va attaquer maintenant la cinquième vitrine. Vous voyez, il y a pas mal de choses à visiter hein, dans ma collection. Alors, là, on est toujours sur de l'Asgard. Donc, pas grand-chose comme changement, ici. Je dois même dire qu'il n'y en a aucun. On conserve les anciennes poses. Rien n'a changé. Voilà. C'est toujours la même chose. Peut-être Hilda de Polaris, peut-être au niveau de la pose. Je ne suis même pas sûr. Donc ça, ça reste pareil. Donc c'est un décor qui avait été réalisé à l'époque par Ced, qui était un très très bon décorateur. Je ne sais pas s'il continue à réaliser des dioramas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un de mes premiers décorateurs, pour pas dire le premier. C'est le premier décorateur avec qui j'ai travaillé. Et qui travaille excessivement bien. Donc là, on a la partie Asgard, qui est magnifique. On a la seconde partie Asgard, donc qui complète énormément, qui complète parfaitement la première partie, donc réalisée avec des écorces d'arbres. Hein. Là, ce sont les V2. Donc ce sont les V2, mais sur des corps de V3. Vous voyez, j'ai vraiment adapté les corps. Alors, la grosse difficulté de cet étage étant de faire tenir Ikki sur l'avant de ce décor, parce que regardez ses pieds, donc j'ai dû mettre de la pâte à fixe. De la pâte à fixe qui se marie parfaitement avec la neige blanche qu'il y a au sol, hein, sinon le personnage ne tient pas. J'ai vraiment voulu le mettre sur l'avant-plan pour donner un peu de relief au décor. Donc je suis très 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 content des poses de cet étage. Ce sont vraiment des poses qui sont très 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 belles à mon sens. Regardez, ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup. Grosse difficulté également de faire tenir l'armure V2 sur le corps V3 d'Iki, donc il a fallu tricher un peu. On passe sur l'étage Poséidon, un décor réalisé par mon ami Kyo, avec ce sublime trident sur cette porte magnifique ornée d'ornements. Vraiment superbe. Canon là-bas en armure, juste derrière Poséidon. Krishma, très difficile de donner une pause à Krishma. Sorrento, Tétis que je trouve magnifique, posée telle une sirène, avec l'urne en main. Étage sublime. On passe maintenant sur un autre étage, qui n'est autre qu'un décor réalisé par mon ami Aïsref. Voilà, et donc je voulais réaliser, donc, à la base c'était un décor qui était réalisé pour, si je ne m'abuse, pour les Blacks. Pour les Blacks ainsi qu'Iki. Mais par la suite il a été recyclé, donc pour réaliser une avant-scène de Capsugnon en fait. Donc là, je voulais placer donc le fameux Canon en habit civil, accompagné de son frère, juste avant que Canon ne se fasse enfermer dans Capsugnon. Donc, le décor a été réalisé par Aïsref, mais les piliers ont été rajoutés, réalisés et rajoutés par la suite par Akua. Donc, sur ma demande, Akua m'a réalisé de jolis piliers qui donnent l'impression vraiment du dessus de Capsugnon, donc du temple, en fait. Et alors, la bonne surprise, en fait, c'est que ce personnage-là, que vous voyez, n'est autre qu'une version Metal Club. Et oui, c'est une version Metal Club. Et non une version authentique de Bandai. Alors vous voyez vraiment la qualité du personnage, la pose donnée. Quand vous rendez compte que ce personnage ne fait pas 60 euros, ça vaut vraiment la peine pour une scène intermédiaire. Alors là, on a les 5 POG ainsi que Poséidon en version ROE.
Étage à finaliser, donc on a un décor à faire. Ce sera pour plus tard, on a encore bien le temps. Voilà. On va passer à l'autre vitrine. Et là, je pense que je vais faire pas mal d'adeptes, parce que cet étage est fort apprécié. Là, on a le temple d'Athéna, en version OCE. Alors, je pense que là, l'appareil photo, la caméra, pardon, retranscrit parfaitement les couleurs. Je pense que là, vous voyez vraiment, vraiment, vraiment ce que mon œil à moi voit. C'est-à-dire du rose, du jaune, de l'orange. Des lavis magnifiques, regardez-moi ça. On a quelque chose vraiment de superbe. Ça ne sert à rien de parler, je vous laisse profiter. Là-bas derrière, j'ai réalisé donc un Canon en version OCE sur base d'un corps Gemini. Regardez-moi ça, ce décor. Tout simplement magnifique. Réalisé par Acua, bien entendu, inutile de le préciser. On passe sur l'étage inférieur, qui est également un décor réalisé par Acua, sur lequel j'ai réuni toutes les versions OCE des Gold qui étaient sorties en appendix, souvenez-vous, que j'ai à chaque fois adapté sur les corps complets des personnages. Là, on a une version Metal Club d'Athéna, donc c'est la version en duo avec cette version-là. Donc vous voyez, OCE, OCE, j'ai voulu absolument garder la même idée avec les versions EX que les versions classiques. Et donc, en fait, cette version Metal Club est sortie en boîte, mais avec deux corps, deux tenues, deux sceptres, deux visages, etc. Donc, très 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 honnêtement, très 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 intéressant. Voilà un petit peu à quoi ce qu'on peut voir avec ce décor. Magnifique également, hein. Vraiment quelque chose de somptueux. On passe sur l'étage inférieur. Élysion, toujours un décor réalisé par Acua, c'est une vitrine Acua, totalement Acua celle-ci. Donc Élysion, voilà. Des poses que je n'ai jamais changées parce que j'ai trouvé toujours magnifiques. Athéna en armure divine dans le fond. Pégase protégeant Athéna. Des poses très propres. Qui caractérisent vraiment chaque personnage. On passe à l'étage inférieur, avec également un étage Élysion, mais cette fois en version OCE, Original Color Edition. Donc là, pas encore d'Athéna pour l'instant. Athéna qui ira probablement rejoindre les personnages là dans le fond, derrière Pégase dans le fond, une fois qu'elle sera sortie. Donc on a la version classique du décor, et la version OCE. Donc on voit bien les deux différences entre les deux décors. Hein. Toujours réalisé par Acua, bien entendu. Hein. La difficulté étant de donner des poses différentes aux personnages, mais faire ressortir quand même le charisme des personnages, tout en donnant des poses autres et différentes que sur le premier décor. Pas toujours facile à faire, mais le résultat est convaincant. Alors, je vais fermer. On va attaquer maintenant une grosse, grosse, grosse nouveauté de ma collection. Voilà les V1. Les V1 avec les aciers, avec les secondaires. Petite nouveauté ici, unique également, c'est le papy de Co. Qui m'a été offert par un membre de la Capucine Team, qui n'est autre que Phil, que je remercie de tout mon cœur, vraiment. C'est un très 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 beau cadeau et un très très beau présent. Je suis vraiment ravi de posséder cet exemplaire unique, et merci à toi, vraiment, vraiment du fond du cœur. Alors, le décor a été réalisé par un ami espagnol,
qui travaille très très bien. Il s'agit de Javito. Regardez-moi ça, la couleur de ce décor. Du rose, de l'orange, du blanc. C'est vraiment très 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 nuancé. C'est très très beau. Un très très beau travail. Là, on a une June protégée par Shun derrière. Toujours le Hiki en retrait. Grosse préférence pour la pose de la licorne cette fois. Regardez, en fait, la difficulté de cet étage étant de mettre autant de personnages sur une scène sans surpeupler, sans surcharger la scène. Raison pour laquelle, au niveau des trois aciers, j'ai voulu absolument mettre en position basse le troisième personnage ici, vous voyez ? Au plus le personnage allait être levé, au plus ça allait remplir la scène. Là, on a l'armure du Sagittaire qui est pointée vers Athéna. La difficulté, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment de donner à chaque personnage une pose qui le met vraiment parfaitement en situation. Là-bas, pour le yoga, c'est un visage de type V3 sur le corps V1. Voilà. On passe maintenant sur l'étage. Un décor réalisé par Akua également, qui est la mer rouge déchaînée avec Hiki et ses sbires, les chevaliers noirs. Voilà. Très 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 bel étage également. Toujours Hiki, fidèle à lui-même. Petite astuce également de la pâte à fixe ici pour faire tenir son pied. Chose que vous ne pourriez pas remarquer si je ne vous le disais pas, parce que avec l'écume blanche du décor, ça paraît... C'est totalement inaperçu. Regardez. On passe sur un vieux décor réalisé par Ced dans mes premiers décors, qui est un étage pour un décor pour les argents. Donc là, la difficulté étant de mettre chaque personnage en évidence. Et alors, pour gagner de la place, j'ai voulu y insérer les casual clothes. Donc là, on a Shiryu face à Argold Percé par terre. On a Misty qui est couvert de la fameuse cape custom vendue également chez NGS, qui est une très très belle cape. Regardez, c'est du plastique, c'est facile à mettre, ça vaut vraiment la peine. On a Sheena appuyée sur un mur dont Seiya se méfie évidemment. On a Marine qui observe la scène de loin. Une très très belle scène, regardez, c'est vraiment très très bien fait. Scène qui se verra complétée par Artemis de la Flèche très prochainement. Là, on a un décor mouse costaud sur deux étages, donc près de 60 cm d'hauteur. Regardez, on a du bloc de 8 en dessous des personnages, et en fait, ce décor est le mur des lamentations. Avec tous les chevaliers d'or, première génération, qui sont placés. Alors, la petite nouveauté... C'est que, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais de nouveaux personnages vont voir le jour, des personnages de 10 cm à l'image des vintage, des anciens vintage, mais qui vont représenter en fait les personnages en version EX, mais de 10 cm. En fait, ces personnages viendront prendre place sur ce mur des lamentations, et les personnages là se retrouveront en socle. Donc, on va réaliser encore... avec des personnages de 10 cm, le mur des lamentations paraîtra encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Je pense que je vais donner quelque chose de très, très, très symbolique à cette scène. Voilà. Regardez si c'est pas beau, ça. Ce qu'on arrive à faire avec des anciens personnages. Voilà. On va passer sur l'autre vitrine. Ah, je vous avais promis une vidéo assez longue, présenter chaque étage. Là, on est sur un étage des V3. Lorsque Shion, de ses mains, jette du sang d'Athéna sur l'armure des V2 qui deviennent progressivement des V3. On a toujours un Hiki en retrait, toujours présent dans la scène, mais en retrait. Canon également, en retrait, le vieux maître. C'est vraiment une scène qui est symbolique.
Regardez le mauve de ce décor et le sang d'Athéna qui coule le long des marches. Décor réalisé évidemment par Acua. J'ai oublié de dire également que le mur des lamentations était réalisé également par Acua. On descend d'un étage et là on se retrouve sur une scène d'Hadès. C'est un décor qui avait été réalisé par Master, un décor très très simple réalisé par Master, pour lequel j'ai moi donc mis un drapé derrière en satin mauve pour rappeler un peu la robe d'Hadès. Donc c'est un décor qui est provisoire. Hein. Donc tous les spectres en fait, que vous voyez ici, les trois spectres vont migrer vers un autre étage. Et on ne va plus se retrouver qu'avec les trois juges, Pandore, Hadès, et ici on a toujours ce fameux chêne Hadès possédé dans une mare de sang, avec ce fameux collier. On a Orphée de la Lyre jouant de son instrument malgré lui. Rhadamanthys protégeant Hadès avec là-bas son serviteur qui n'est autre qu'une résine, et oui, ma première et ma seule résine. Et ces trois personnages, donc comme je vous disais, Pharaon, Papillon et Valentine vont migrer vers un autre étage. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. On passe sur l'étage des surplis des renégats ou surplis en version normale. Voilà, très très beau personnage. Là, on a un Misty avec la fameuse cape custom également disponible chez NGS. Du plus bel effet, ça change complètement le personnage. Je vous invite vraiment à vous procurer ces capes, elles sont magnifiques. Là-bas, on a Chion ainsi qu'Argol. Pégase en bien piètre posture face à Dismask. Décor réalisé par Cédric aussi, Ced. Il y a de longues années, c'est un des premiers décors également. De même que ce décor, toujours réalisé par Ced. Qui est magnifique. Décor magnifique, qui est autre que le trône d'or, en fait, la salle d'or. Avec les 12 Pandora Box. Chion en version Tamashi Japon. Avec un beau marbre sur le sol. Et là, on a Pégase 24 carats qui brille de mille feux. Je trouve que l'ensemble est super harmonieux. Regardez ça. Je trouve ça magnifique. Superbe pièce. On descend d'un étage. Et là, on se retrouve. Toujours un décor réalisé par Ced. Avec Hadès, Hypnos Thanatos et Pandore. Regardez-moi ça, cette scène magnifique. Regardez-moi ça. On s'y croirait. Je vais vous montrer un peu plus près. Regardez avec cette fausse fumée sur le sol. Si c'est pas magnifique. Un charisme de fou, cet Hadès. Voilà. On va passer maintenant aux autres vitrines. Qui sont moins remplies. Faut bien l'avouer. Alors. Là, on est sur une version OCE du fameux Hadès. Alors, j'ai monté cette version sur socle pour ne pas me retrouver avec la même version que là-bas en dessous. Donc, j'ai monté le perso sur socle et je me suis donc attribué un kit unique de costume pour ce personnage que je trouve tout simplement magnifique. En fait, cet étage sera comblé par un décor réalisé par Acua. Que je vous ferai découvrir en temps et en heure, mais en tout cas pas pour l'instant. Je ne vais pas en parler pour l'instant, je vous le ferai découvrir au moment opportun. Donc, en tout cas, voici la version Hadès OCE du personnage. On passe sur l'étage inférieur. Et là, on est sur ce fameux Achéron.
qui sera, vous voyez, dans ses mains, ce fameux pendentif que Sean possède au moment où il traverse. Il traverse le lac, le fleuve, pardon. Il sera rejoint par les trois personnages ici, sur un décor réalisé également pour lui. Donc cet étage-là est déjà réservé, cet étage ici également. Là, on a un étage vide. Là, on a un autre étage vide. Alors, cette boîte, en fait, qu'est-ce que c'est de cette boîte? C'est le contenu totalement repeint en version OCE du fameux Phénix que je vous présentais tout à l'heure ici. Parce que monsieur Chris Sellicard ne s'est pas contenté de peindre le personnage, mais a peint toute la boîte. Donc voilà. Donc, je me retrouve encore avec deux étages disponibles là, en dessous, pour de futurs étages, de futurs décors, etc. On attaque la prochaine vitrine. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de place. Hein. Et là, on part sur du Poséidon, en version EX. Les deux derniers arrivés. Le fameux Sorrento et le fameux Canon. Alors, grosse nouveauté pour cet étage Poséidon. Comme pour l'étage des Golds, qui avait été réalisé par Itokiri, donc en deux parties, premier étage, deuxième étage, l'étage Poséidon va être réalisé en deux parties également, donc un premier étage, un deuxième étage, par Monsieur Itokiri également. Donc, on va se retrouver avec deux étages de Poséidon, sur lequel viendront prendre place également probablement les V2 en version POG, en version EX ou en version classique que vous retrouvez là-bas dans le fond. Donc ça va vraiment me permettre de pouvoir mettre les personnages bien disposés sans trop surcharger, je vais mettre ça sur deux étages. Vous voyez, regardez, ça va se retrouver là-dessus comme ça. Donc décors qui vont prendre, à mon avis, cours dès début janvier. Donc voilà, on va revenir aux poses de Sorrento. Voilà, superbe pose. Et la fameuse pose qui a fait parler d'elle, de Canon, au moment où il retire son casque. Je vais conserver ces poses pour l'exposition finale. Hein. Là, on a un étage vide où il y a tout simplement deux boîtes pour combler un étage vide. Même chose ici, même chose là. Donc on se retrouve de nouveau avec trois étages totalement vides qui serviront à placer des figurines. Hein. On attaque la dernière vitrine, celle qui me fait le plus plaisir en ce moment, qui est en cours de réalisation, qui me fait le plus plaisir, qui n'est autre que la version SOG, donc Soul of Gold. Donc, regardez, je vais vous montrer ça. On a quatre étages. Vraiment l'effigie de Soul of Gold, donc avec du Asgard, totalement réalisé par Tadashi Dio. On commence par le premier étage, avec le lion, la vierge et le bélier. Et regardez-moi ça, quelle classe! Alors, s'il y a bien un étage que j'adore, c'est bien celui-là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette classe de personnage, ce charisme de fou. Regardez-moi ça. Alors, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, pourquoi 4 étages? Il y a 12 chevaliers d'or, tout simplement, et je ne vais pas trop charger, donc je vais mettre 3 personnages par étage. Donc 3, 6, 9, 12. Au fur et à mesure de leurs apparitions, ils prendront place sur les décors. Voilà, donc le prochain étant 10 masques prendra place sur ce décor ici. Voilà. Regardez-moi ça, quelle beauté. Alors, la version que vous voyez ici n'est autre qu'un Canon en version Metal Club, qui est là juste pour meubler pour l'instant. Et ce Metal Club, donc en version Canon, ira rejoindre prochainement Radamantes là-bas pour une scène qui est en réalisation par mon ami Voras. Voilà le deuxième étage. Le troisième étage, avec de l'écorce magnifique. Et le quatrième étage. Voilà, voilà, voilà pour toutes les vitrines. Alors, ça nous laisse donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 étages de disponibles pour les prochaines sorties de figurines. Je pense que ça me laisse quand même pas mal de place. Hein. Voilà. Voilà un rapide petit tour de mes vitrines. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit tour du propriétaire avec moi vous aura satisfait. Moi, je vous dis de toute façon rendez-vous à l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est dans quelques jours. Hein, avec pas mal de nouveautés qui devraient voir le jour. On a cette fameuse nouvelle collection de petits personnages de 10 cm qui devraient voir le jour. On a notamment la suite des Poséidons, on a la suite des UX ici en surplis qui devrait arriver. On a pas mal de figurines qui vont voir le jour. Moi, je pense qu'on en a encore pour quelques années. On va pouvoir encore se régaler. J'ai pas mal de décors qui sont en cours, avec notamment un décor de la part de mon ami Tana, qui est en train de me réaliser un temple de la Vierge pour la version OCE. Donc ce personnage en version OCE ainsi qu'Iki vont migrer sur un autre étage. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, ce décor devrait être fini dans pas très longtemps. J'ai un autre décor qui est réalisé par mon ami Voraz pour Radamantes, décor qui prend un peu de temps parce qu'il le peaufine vraiment super bien. Deux décors qui vont bientôt arriver et être réalisés par mon ami Tokiri qui travaille très très vite, donc ça ne devrait pas tarder. Un décor réalisé par Akua également pour Hades en version OCE. Énormément de nouveautés. Énormément de nouveautés, je suis toujours en cours de réalisation pour des décors par mon ami Tadashi Dio, avec qui j'aime énormément travailler. Donc je vous invite éventuellement aussi à le contacter pour des commandes, etc. Il travaille très très bien. Donc voilà un petit peu à quoi correspond mon sanctuaire, mon univers Senseiya. Voilà, voilà un petit peu ce que je vous présente aujourd'hui. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que vous continuerez encore à me suivre, nombreux et nombreux, et que vous vous abonnerez à ma chaîne, et que vous ferez passer cette vidéo, partagez-la un maximum, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis tous à très très bientôt pour la prochaine vidéo de présentation de figurines qui sera autre que Artemis de la Flèche, que je me ferai un plaisir de vous présenter. Donc voilà, je vous dis à tous à très très bientôt, et longue vie à Senseiya. Ah, ciao ciao les amis, salut salut salut. Oyoku Tensho Phoenix Kenmatsu. Dou da? Jigoku o mita kansou wa?